mythique, son ADN est signé Créteil Style. Un vrai style. Faites un maximum de bruit et accueillez comme il se doit, Monsieur B-Boy Karim Barouz. Nasty. Yes. Les femmes ont toujours été présentes dans la culture hip-hop. Depuis la naissance. Malgré ce que tout le monde pense. Et là, en parlant de naissance, le Battle of the Year France existe depuis 2001. Et elle fait partie d'un des crews qui a été champion du monde en France, les premiers. Exactement. Voilà. Elle a toujours été présente ces 15 années sur la scène du b-boying, à représenter la culture hip-hop, mais également la gente féminine. Pour celle qui va venir se présenter sur scène et qui représente le crew qu'on appelle Wanted Posse, j'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour la dame qu'on appelle Bigger. Il nous avait expliqué tout à l'heure, Malik, il nous avait expliqué qu'il avait eu
En fait, dans son histoire, il avait eu des de gros plans importants en termes de business. Il a préféré se raccrocher à la culture hip-hop et ne pas partir de ce côté-là, voilà, trop commercial, et revenir aux valeurs aujourd'hui. Exactement, dans l'enseignement, dans la transmission encore une fois. Exactement. Il a été à la base de certains mouvements de la danse hip-hop. La création de son crew, Street Element, nous vient de Los Angeles. Pour celui qui représente Style Element, c'est une du point qu'on appelle B-Boy. Nasty, ça y est, on arrive au dernier membre du jury. Alors Malik, et pas des moindres, il nous vient des Pays-Bas, il nous vient de Hollande. Il a été tenant du titre du Red Bull BC One, fait partie du Red Bull All-Star également, représente pour le crew qu'on appelle Hustle Kids. Pareil, dans les One One internationaux, il a toujours été présent et là au rendez-vous. Et vous allez encore entendre parler de lui. Montpellier, faites du bruit pour l'homme qu'on appelle B-Boy.